Coucou tout le monde, je voulais vous souhaiter voilà un bon réveillon de Noël et un joyeux Noël. Et voilà, alors pour moi, aïe, j'ai Mimi. Alors cette vidéo, je vous dis tout de suite, elle sera pas montée, je vais la mettre directement comme ça sur YouTube et je vais essayer qu'elle soit pas trop longue, voilà, parce que je voulais simplement vous souhaiter un merveilleux Noël et surtout profitez de ce que vous aimez parce que bah aujourd'hui enfin je vais pas voilà je vais pas en parler je vais pas en parler maintenant parce que enfin je veux dire voilà ça a touché ma famille. Et donc ça m'a pas touchée personnellement, mais c'est donc je veux dire c'est pas disons que c'est pas voilà c'est pas moi que ça a touché personnellement, mais c'est quelqu'un des personnes de ma famille que j'aime énormément et que je pourrais pas vivre sans eux. Et je sais pas comment vous dire, mais voilà j'ai failli enfin j'aurais pu les perdre clairement j'aurais pu les perdre. Aujourd'hui et par miracle ils vont bien enfin je veux dire voilà ils vont bien et j'espère que ça va durer parce que voilà c'est du coup pour moi la journée a été très stressante très angoissante très voilà alors aussi je m'angoisse peut-être trop et pour rien. Enfin pour rien, peut-être trop vite et trop vite on va dire. Mais voilà, quand on aime, ben je crois qu'on s'inquiète un peu pour tout et n'importe quoi quand on aime quelqu'un. Et ben voilà, moi ces deux personnes, je les aime plus que, voilà, je les aime, je les adore, je les aime énormément. Et si je les perdais, et bah, ça serait la fin pour moi. Enfin, ça serait la. Pour moi, ça serait. Ouais. Je veux pas dire que ça serait la fin du monde parce que je sais pas comment expliquer, comment vous dire, mais ça serait terrible. Ça serait terriblement terrible. Voilà. Et ce matin, j'aurais très bien pu recevoir un coup de fil me disant qu'ils étaient plus là. Et par miracle, ils sont encore là. Et voilà. Alors je voulais juste vous dire que bah voilà, profitez de ceux que vous aimez. Profitez-en à fond, profitez parce que voilà, ça peut arriver comme ça sans qu'on s'y attende. Sans qu'on s'y attende. Un jour vous vous levez et puis on vous appelle et on vous annonce que quelqu'un que vous aimez, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, votre mamie, votre papy, a eu un accident et ou s'est fait renverser par une voiture, ou voilà, et qui est mort. Et c'est. Ça m'est pas arrivé, mais aujourd'hui ça aurait pu m'arriver. Et aujourd'hui j'ai passé la journée à penser à ça. J'ai passé la journée à me dire que ce matin j'aurais pu recevoir ce coup de fil en me disant que ceux que j'aimais étaient plus là. Et ça m'a vraiment fait un choc. Donc voilà, je voulais juste vous dire de. Voilà, de profiter, vraiment profiter à fond de ce que vous aimez. C'est terrible et c'est tout autant terrible de perdre quelqu'un qu'on aime et qui est malade. Mais disons que quand quelqu'un est malade, bon, c'est terrible aussi. Chaque mort est terrible. Mais disons que on s'y attend. On sait que. On garde espoir, mais on sait qu'au fond, que voilà il peut mourir enfin que voilà c'est la fin quand c'est la fin on le sait et voilà mais quand c'est soudain et du coup on a le temps de enfin on peut lui dire au revoir voilà mais quand c'est comme ça que ça arrive soudainement que ça arrive sans qu'on s'y attende sans y penser on pense pas forcément à eux à ce moment-là et tout d'un coup hop un coup de fil qui nous dit qu'ils sont plus là et ben j'espère ne jamais recevoir un coup de fil comme ça et j'ai vraiment eu de la chance. Enfin, ils ont vraiment eu de la chance et moi j'ai vraiment de la chance de les avoir encore. Et voilà. Après, donc j'en dirai pas plus parce que c'est ma famille, ça me regarde pas que moi.
Même si ça me regarde aussi, parce que voilà, je vous dis, s'il mourait, clairement, ça serait terrible pour moi. Mais voilà, ça me regarde pas que moi, et voilà, donc je respecte aussi ça. Mais voilà, aujourd'hui, ça a été une journée très dure pour moi, et ce soir, et ben, maintenant, je les ai vus, je sais que ça va. Et les chatons, donc là, je suis dans la chambre de mon papa, juste pour faire la vidéo, parce que tout le monde est en bas, donc je vais les rejoindre. Voilà, donc je suis pas avec les personnes en question ce soir, je les verrai demain. Et mais du coup, je suis allée les voir aujourd'hui parce que voilà, je pouvais pas ne pas aller les voir. J'aurais passé une mauvaise soirée sachant que ce qui s'était passé, voilà, je voulais être sûre, les voir de mes propres yeux, être sûre qu'ils allaient bien, même si voilà, ils vont bien, mais bon, voilà, y a des petites choses. Mais voilà, ils vont bien et je les ai vus de mes propres yeux. Et je voulais juste les voir et m'assurer qu'ils aillent bien. Voilà. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. Et voilà. Et là, il y a Mimi. Oh là, il y a Mimi. Elle est en train de s'agripper à mes collants. Et je ne veux pas qu'elle s'agrippe à mes collants. Voilà. J'arrive! Oui, j'arrive! Ah, d'accord. Voilà. Donc, ouais, parce que du coup, donc, je suis chez ma famille, donc du côté de mon papa ce soir. Donc là, voilà, tout le monde va bien, tout le monde est là, tout le monde, voilà. Donc, je vais aller les rejoindre. Et donc, ce que je disais, c'est que j'aurais pas pu passer une bonne soirée si je les avais pas vus de mes propres yeux, si j'avais besoin de les voir, viens m'appeler. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai pris le train, j'étais en panique, mais vraiment, je vous dis, j'étais paniquée. Pourtant, voilà, on m'avait rassurée, on avait essayé de me rassurer, mais j'étais quand même paniquée. Et maintenant, ça va. Et j'ai hâte d'être demain parce que du coup, demain, on fait du côté de ma mère, donc avec voilà toute la famille, j'aurai ma Yora, ma Tati et tout le monde. Donc c'est super et j'ai hâte d'être à demain. Oui, c'est ma Mimi, elle me souhaite joyeux Noël. Voilà, donc et ben j'ai pas fait de vlog aujourd'hui parce que de toute façon voilà je me suis levée tard et après bah quand j'ai appris la nouvelle je vous assure que j'avais pas du tout le cœur ni la tête ni l'envie ni rien du tout à faire un vlog voilà et cette vidéo va finir par durer longtemps mais je vous assure elle durera pas longtemps. Je veux juste vous souhaiter voilà vraiment un joyeux Noël. Et voilà, donc c'est là ce soir, ça va, je vais bien, je suis rentrée, je me suis coiffée et comme je vous avais dit, j'avais fait des tresses et ça a tenu. Alors je suis désolée, là la lumière n'est pas top, on ne voit pas super bien, mais mes cheveux sont un peu frisés, frisottés on va dire. Et puis j'avais fait des petites tresses, une de ce côté et une de ce côté et du coup je les ai attachées derrière avec un petit élastique. Et comme ça faisait quelques jours que je les ai faites, ça commençait un peu à se défaire là. Enfin, il y avait une petite mèche qui s'était enlevée, du coup j'ai mis une barrette. Je me suis maquillée toute seule, donc j'ai essayé de faire un espèce de dégradé. J'ai mis du rose sur toute la paupière et puis du violet sur le coin et en haut pour essayer de faire un espèce de dégradé. J'y connais absolument rien. J'ai essayé de faire vraiment un truc tout simple, joli, qui pour moi semblait jolie et ma soeur m'a mis du mascara et puis j'ai mis un peu de crayon voilà donc voilà et puis pour le rouge à lèvres de toute façon on va manger donc clairement j'ai pas envie de mettre du rouge à lèvres et voilà donc ça et puis j'ai une robe rouge mais vous verrez de toute façon je mettrai des photos voilà une robe rouge avec ma Mimi qui m'embête un peu voilà une robe rouge là hop et puis un petit gilet noir voilà. Bon, et bah cette fois j'y vais parce que ça fait 10 minutes que je vous parle, ils m'attendent en bas, enfin ils m'attendent pas, mais de toute façon ils mangent des huîtres et je suis pas très fan des huîtres. J'aime ça, mais voilà, si je vous plais huîtres, c'est pas grave. Je voulais vraiment, voilà, encore vous souhaiter un joyeux Noël. Je pense à tout le monde, à tous ceux qui me soutiennent. Je pense à tous les enfants qui sont à l'hôpital. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un cette année, en particulier une amie si elle regarde ma vidéo, elle se reconnaîtra, qui a perdu son grand-père. Et je pense très fort à elle et à sa famille et je pense très fort à tout le monde, voilà, à tous ceux qui ont perdu quelqu'un
Et je m'estime vraiment chanceuse ce soir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon réveillon de Noël et un joyeux Noël demain. Et j'espère que vous aurez plein de cadeaux. Et je vous fais plein de bisous avec Mimi qui est à côté. Voilà. Bonne soirée.